PEGI 18. Bonjour à tous, c'est Petit Seb et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Dead Space 2 en compagnie de notre ami Isaac. Alors, la dernière fois, qu'est-ce qui s'est passé? Bah, on nous a dit qu'on s'était égaré, on s'est trompé de chemin quelque part et il fallait qu'on aille au niveau des poubelles, que voici. Ça promet rien de bon. Donc on a pris aussi l'armure, on s'est procuré aussi... Le fusil d'assaut, donc là il nous reste 4 soins, ok, ouais, c'est pas folichon au niveau des munitions. Hein. Allez, c'est parti. En attente, oui. Du diagnostic du compacteur d'ordure 752. Compacteur désactivé. Entrée totalement sécurisée. Personnel autorisé uniquement. Et ben ça tombe bien. On va y aller. Du coup, je passe par là, mais est-ce que c'est par là? Mais bien sûr. Ah, bah oui. Là, c'est là où on a vu la vidéo du démembrement. Hein, toi... Voilà. Allez, c'est parti. Toi, tu te tais, s'il te plaît. Et toi, tu meurs. T'es pris un bout de ton pote. Oh non, il y a l'autre là. Hey. Bon, quand tu veux. Voilà. Elle est à l'agonie. Du coup, allez. On se refait un peu de mine. Hein. Ouais, il y a des jolies têtes. Qui veut une tête pour Halloween? Tiens, c'est pas l'heure. Du coup, il y en a. Ah, voilà ce que j'étais en train de me dire. Il y en a qui m'a pas donné ses mines. Et du coup, on passe ici. Ouais, donc ici, on avait eu la vidéo la fois précédente. Justement pour utiliser les armes. Quoi, du moins les armes. Les membres des ennemis pour pouvoir passer. Et donc ici, on avait voulu y aller, mais c'était fermé. Voilà, maintenant c'est résolu le problème. Entrée zone sans gravité. Ah, la gravité. Comment on fait? Ok. Ah, on a les jetpacks. Hop. Ça, je prends. Ah, j'ai plus de balles. Je sais pas où qu'on doit aller. C'est pas en haut. Mais, je suis perdu. Je suis perdu, donc là, voilà, ici. On va aller voir ce qu'il y a. Par ici, qu'est-ce qu'on a? Un point de force et un cadavre. Alors, le point de force, on récupère. Des sous-sous. Ok. Ça m'embête un peu pour... Les munes, j'en ai 4. Ouais, pour si peu, hein, on va essayer de les garder. Donc par où faut qu'on aille? Faut qu'on aille là-bas. Alors, on l'a parlé, on peut pas passer. Si? Non. Donc on va essayer par là. Pour atterrir, appuyer sur L3. Bon, ben merci, hein. Déjà j'ai... J'ai dû chercher par moi-même comment appuyer, comment décoller. Je regarde s'il n'y a rien d'autre qui brille. Allez, go. Bonjour, messieurs. Ah, on a encore sans gravité. Il y a un corps qui flotte dans les airs. Ah oui, bah c'est par là qu'il faut passer. Allez,
soyons fous, on va ouvrir la porte. Allez, c'est parti. Oula, je me suis perdu là. Voilà. Ah mais je peux pas y aller là. Accélérer, CL2, ok. Un gros débris passe ou pas? Oui, il y en a un autre. Voilà. Je sais pas si ça peut nous toucher. Allez. Voilà. C'est bon? Ah ouais, apparemment c'est bon. C'est par là? Oui, c'est... non. Ah si, c'est par là. Il s'est retourné, du coup, j'ai eu un doute. Ça, c'est pas bon. Qui éteint la lumière? Allez, qu'est-ce qu'on a ici? Des sous. Ah ouais, là, 25, ça fait quand même un peu beaucoup. Donc, les balles de trancheurs, on va les déposer. Non. Ah. Elles sont là. Voilà. Ça, c'est bon. Les fameuses grilles d'aération. Où il sortait beaucoup dans le premier épisode. Allez, on avance. Je sens le jumpscare qui va arriver. Qu'est-ce qu'on a là? Des crédits. Merci beaucoup. Ah. Qu'est-ce que je disais, le petit jumpscare? Tiens. Alors, un verrou de force, on l'utilise. Et voilà ce qu'il y a dedans. Ah, mais je suis plein là. Je vais pas pouvoir prendre grand chose. Ouais, quand tu veux pour ouvrir. Merci. Ouh, des crédits, des crédits, des crédits, des crédits. Hop, non. À chaque fois, je me trompe. J'ai quoi? Ouais, j'ai que du. Hop. J'ai que des simples semi-conducteurs en or. Après ici, qu'est-ce qu'on a? Alors ça, par contre, j'ai pas assez. Alors. Ah, c'est bon, j'en ai pris un. Donc, hop là. Je me suis soigné complètement. Il n'y a rien d'autre. Allez, on y go. Du coup, maintenant on va où? Par là. Ah bah oui. Donc lui, il faut l'utiliser, mais j'ai pas fait attention. J'ai pas vu où il fallait le rentrer. Ah bah là, voilà. Tout simplement. Et l'ascenseur. Allez, on y go. Bon, pour l'instant, les décors ressemblent. Quoi, ressemblent? Ils sont dans le même univers que l'Ishimura. Hein. On n'a pas vraiment l'impression qu'on est sur une Terre, du moins sur un satellite de Saturne. Sur une planète, c'est à peu près le même univers espace, on va dire, que le premier. Ah tiens, et on récupère un point de force. Du coup, ah, il y a des bougies. Toi là, ah, j'ai piqué ta jambe, tu m'excuseras. ici, il y a rien, non. Par les bougies. Par où on doit aller? Par là-bas. Donc on va faire un petit tour par ici. Ah non, pas eux. C'est bon? J'ai l'impression qu'il y en a encore.
Voilà. Message trouvé. Alors, voyons qu'est-ce qu'il dit. Marion. NN. Ok Marion, c'est Sally. Je te laisse ce message pour le moment où tu viendras récupérer mes affaires. J'espère ne rien oublier. C'est tellement important. La reconnaissance va avoir lieu très très bientôt, comme promis. C'est une occasion unique, comme la seule d'une vie. Ou devrais-je dire d'un million de vies. Nous nous préparons ça depuis l'aube de l'humanité. Tu te rends compte de cette chance? Nous allons assister à ça. Je suis tellement excité que j'ai des frissons. Ok, je dois partir. La cérémonie commence dans une heure. Je dois y être à temps. Adieu, je t'aime très fort. Rejoins-nous. Haha. Ok, bye. Sally. Ouais, un petit message pour rien dire. Mais qui rajoute un peu de background. Tiens, 1000 crédits dans les toilettes. Eh ben, on a bien fait de venir. Ici, là, il n'y a rien, non. Hop, on va changer d'arme. Oh. Ah. Ah. Allez, on reprend la mitrailleuse parce que là ils arrivent. Voilà, t'es bon? Allez, on reprend le cutter. Dent tranchante. Ouais, bah je peux pas de toute façon. Tiens. T'as que ça à donner? Ouais. Bon, c'est toujours mieux que rien. Pour l'instant, j'ai pas de place. Il me faudrait vite une armure. Alors, est-ce que c'est encore des schémas comme dans le premier? Je ne sais pas. Là, il n'y a rien. Là, il y a quelqu'un dans les toilettes. On va pas l'ennuyer plus longtemps. Bon. Oh. Ok, bon, j'ai bien cru qu'ils allaient nous mettre un truc dégueulasse dans la chambre du bébé. Mais non, ça va. Y a rien d'autre. Bon, bah, au moins le bébé nous a filé. D'accord. Alors, le marqueur nous sauvera. Si tu le dis. Le principal, c'est que tu y crois. Alors, qu'avons-nous ici? Un long couloir. Allez, on va aller visiter. Ah. Recharge de stase. Ah bah voilà, ça c'est fait. Je le sens pas ici. Je sais pas pourquoi, je le sens pas. Du coup, je peux pas ouvrir là-bas, donc c'est par là-bas. Bon, on aura récupéré de la stase. Hop, c'est fermé par là. Allez, go, on y va. Eina, les soldats de Time sont là. Ils me cherchent avec un hélico. Vous y êtes presque. Plus vite. Bon, c'est bon, ils sont partis. Du coup, on prend la première porte. Ah. Non mais oh, prends-moi mes crédits et du soin. Ouais, non, j'en ai pas besoin du soin. Y a rien d'autre là-bas. Ah bah, y a un fumant ici. Tiens. Encore un qui reviendra pas. Faut passer par là. Ouais.
Alors, voyons un peu au fond ce qu'on a. Rien du tout. Allez, go. Dans l'ascenseur. Oh. J'ai bien cru qu'il allait en avoir un dans l'ascenseur. Une sauvegarde. Attends, je check juste la zone. Je la sens pas cette zone là. On est vraiment sur le bas. On a encore un grand espace. On va faire une petite sauvegarde. À tout de suite. Voilà. Au moins, s'il nous arrive quelque chose, c'est sauvegardé. Quoique, c'est pas comme dans les Resident Evil. On doit pas recharger sa sauvegarde quand on recommence. Ah. Alors, j'évite de trop avancer. J'essaye de voir ce qu'on peut récupérer. Ah, ça y est, ça arrive. Oh non, pas eux, pas eux. Non, laisse-le tranquille, toi, il t'a rien fait, il t'a rien fait. Laisse-le tranquille, je t'ai dit. Aouh! Là, les vomitos. Allez. Ah! Ah, il y a le vomito qui rampe. Non, tu les laisses tranquilles, toi. Et moi, par la même occasion. Hein? J'ai plus de mine? Non. Oh, j'ai plus de munitions. Bon, les gars, je vous éclate, hein, mais donnez-moi un maximum de mine, s'il vous plaît. Ouais, des crédits, super. Qu'est-ce qu'on a? Schéma javelot. Mais je m'en fiche de ça. Je le sens pas. Oula. Ça nous fait beaucoup de stase là d'un coup. Toi là. On sait jamais s'il y a un autre papillon qui arrive. Papillon Raymanta. Tout ce que vous voulez. Hop là. Voilà. Il n'y en avait pas un par là, là? Oh, il y a des pop. C'est par là qu'il faut aller. Alors. Ouh. C'est bizarre, cette salle. Un petit sas. Oh, ça pue. C'est quoi ça? C'est Timeman! Ils sont là! Entrez dans l'église, vite! Ah, puis j'ai pas d'air. J'avais pas compris ça comme ça, moi. Ah, bah on arrive à l'épisode 4. C'est bien. L'église du mythologie. Pourquoi? C'est l'un des seuls endroits que Tideman ne surveille pas sur tout temps. L'église est séparée de l'État. Non, Dana, on ne devra pas. C'est le dernier endroit où je voudrais aller. Isaac, mon frère s'est sacrifié pour vous sauver. C'est très important. Ça doit marcher. Je suis dans une salle en haut de l'église. Venez là, ok? Bien, madame. Ah oui. Ça, on a une sauvegarde, un plan, stock. Oh, bon, on va aller d'abord par là, hein. Alors, toi, on sait jamais. Je vais peut-être prendre le fusil d'assaut, là, j'ai plus de munitions avec. C'est quoi, là? Ça brille. Mais, il n'y a rien. Hop, on va vite. Voilà, ça c'est super. Ah, bah il y a des plans en plus. Alors,
Qu'est-ce qu'on a ramassé? Donc le schéma des javelots. On va d'abord aller dans l'inventaire. Voilà, parce qu'il y avait lui. On va le vendre. Lui, on va le déplacer. Ouais. Et du coup... Ah d'accord, en fait c'est pour pouvoir... Ah ouais, je l'ai déjà le javelot, il est là. Et ça, on va prendre... Voilà. Ça nous fait pas mal de mines. Alors ça, on recharge. Voilà. Et au niveau des points de force, on en est où? J'en ai deux. Cutter plasma, j'en suis là. Eh ben, on va se faire un dommage supplémentaire. Voilà. Et puis l'autre, on va le garder comme d'habitude. Et une petite sauvegarde. À tout de suite. Voilà. Allez, cette fois, on est paré. Du coup, j'ai même pas regardé au niveau des mines. J'en étais où? Ouais, c'est bon, ça ira. Le soin, c'est pas folichon, mais je dois dire que ça fera l'affaire. Alors du coup, voilà, on se remet sur l'objectif et on y va. On est à la bibliothèque. Ok. Ouais, non, ça va pas. Je vous éclate. Ah, des mines, super. Ah, je crois qu'il y avait un corps ici. Des mines, des corps. Voilà. Isaac, il s'acharne dessus, mais bon, on sait jamais. Hein, s'il y a l'espèce de raie manta qui arrive, je voudrais pas qu'elle les réveille tous. Voilà, là il y en a. Dégage. Non mais oh. Il y en a d'autres en bas ou pas? Ouais. Je peux pas l'atteindre d'ici. Allez, viens là toi. Ah bah et donc. Là. Voilà. Ah, là j'ai plus de place, ok. Bon c'est pas grave en même temps. J'ai pas le. Les dents trancheurs. Là, t'es qui ça? Ah bah je suis plein aussi. Est-ce que j'ai un truc qui me sert pas? Allez, ça, on dépose par là. Et où? Là. Voilà. Du coup, maintenant, c'est par... Oh, super. Ah bah, tout simplement, c'est par là. Allez, go! Ah, c'est par là. Ok. Ok, on va faire un petit tour par là. C'est quoi ça? Ok, ça va détruire. Y'a quelqu'un? Ok, c'est toujours par là-bas qu'il faut aller. Et ici on arrive où?
Ah, ok, non, je suis bête. Ah. Ah, il arrive. Le vomito, il arrive. Viens là, mon grand. Ah. Ah, ça nous ralentit bien, ça. Hein. Voilà. Allez, ça on récupère. On recharge. Et du coup, on refait demi-tour, parce que c'est de là où on vient. Hop. Et hop. Alors, voyons une nouvelle zone. On voit ce qui se cache derrière. Ouh. Alors, pompastase, ok. Ici, là. On peut y aller. Ouais. Alors. Hop. Des petits crédits. Et là-dedans, c'est quoi? La stase, eh ben, dis donc. Il nous en donne beaucoup de la stase. Un petit message. Alors, test d'endoctrinement phase 1. Sujet Kazemilam. Sociabilité élevée. Docilité pardon, faible. Crédulité faible. Tolérance élevée. Désintérêt faible. Idéalisme élevé. Indépendant faible. Confiance en soi élevée, ça c'est important. Besoin de spiritualité faible. Conscience des phénomènes de groupe élevée. Le sujet est peu susceptible de rester durablement fidèle à l'église. Nous pensons qu'il abandonnera au stade de la contribution financière de l'initiation. Tu te testes, s'il te plaît. Mais inutile de tabler sur lui pour le budget. Ok. Alors. Toi, tu dégages. Ouais. On fait comment, là? Ok. Et j'en fais quoi? J'ai pas compris là. Sûrement le mettre quelque part par là. Viens là toi. Non, voilà. Alors c'était où? C'était là. Voilà, c'est là où il y a une plaque. Non, il veut pas rentrer. Il veut pas. Et ici. Voilà. Ouais. Et ça fait quoi? Ah! Voilà. Ça. Ça va là. Du coup. Viens là. Et si je te remets là? Ça donne quoi le tableau? Là c'est verrouillé les deux. Et là je peux... Non. Est-ce que je dois mettre les deux au même endroit? Non. Ça n'a pas l'air.
Non. Viens là, toi. Ok, donc là, il veut bien. Et en bas, est-ce qu'il veut? Non. C'est qu'en haut. Ok, bon. Est-ce que je me suis trompé dans les deux? Voilà. Du coup, là, tout est fermé. D'accord. Ah, non, fallait le mettre là. Ok. En fait, moi, j'avais retiré... Il est où? Il est là. Je crois que ça allait dans les panneaux là, mais non, pas du tout. En fait, il faut les mettre ici. Voilà. Donc là, du coup, c'est ouvert. Voilà. Alors. Allez. Non. Oh. Voilà. On écrase tout le monde. De bon cœur. Voilà, toi. C'est bon, t'as rien à donner? Non, c'est bon. On va reprendre notre cutter. Sympa là. Tiens, voilà ce que j'en fais. Et lui, il est passé de par ici. Ok. Bon. On va pas se faire prier plus longtemps. La petite stase qui va avec. Hop, on en profite pour faire un rechargement. Et j'ai râpé. Alors. Ah bah en tout cas il est dans le rouge, donc je peux plus me resservir. Allez dépêche. Ok. Voilà. Allez dépêche. Allez. Voilà. Eh ben, ils sont gentils par ici. Une balle de fusil, ils sont bien gentils, eux. Hein. Ce qu'on appellerait un peu du foutage de tronche. Balle d'assaut. Moi, ouais, je suis encore plein. J'ai quoi? Est-ce que j'ai des trucs inutiles? Ouais, je vois rien là. Stase. Ouais, j'en ai quand même un peu trop là. On va aller. Bon, on va rester comme ça. Je les mettrai au coffre. En espérant qu'il y en ait un pas trop loin. Ici, qu'est-ce qu'on a? Schéma. Ah, une tenue de sécurité. Ouais, là par contre, je suis désolé, je peux pas dire non. Et là, on a un conduit. C'est quoi ça? Ça se détruit? Non, ça se détruit pas. Donc, la stase. Désolé, hop là, tu vas là et je récupère la tenue de sécurité. Et ça, je peux pas. Bon, c'est pas grave. Bon, et ben, il n'y a plus qu'à attendre le prochain stock pour voir à quoi ressemble. Nous, on va s'arrêter là. On va faire une petite sauvegarde. Donc, ouais, c'est là. Bon, bah, ça a été une vidéo plutôt courte, je trouve. Hein. On n'a pas beaucoup avancé dans celle-là. Bon, on verra un peu plus tard hein, ce que ça donne. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas, le petit j'aime, le petit commentaire, comme d'habitude, ça fait toujours plaisir. Et moi, je vous donne rendez-vous donc la prochaine fois pour la suite des épisodes d'Isaac. Voilà. Allez, ciao, ciao, bye bye.